I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many yells, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Salut les gars, bon, j'ai eu pas mal de demandes en message sur Instagram concernant le montage des néons sur ma voiture. Donc il y a deux méthodes, c'est soit vous prenez des bandes LED 12 volts étanches, moi c'est ce que j'ai fait, soit comme à l'ancienne les tubes de néon cathode froid. Moi je suis moins fan de ça parce que forcément ça peut se casser, c'est des tubes. Donc moi j'avais pris à l'époque des bandes LED étanche, vous trouvez ça sur le net. Après à vous de choisir la longueur. Moi j'avais pris 1 mètre pour l'avant et l'arrière, enfin les deux, l'avant et l'arrière. Ensuite les côtés, je crois que j'étais à 1 m 50. Après ça à vous de mesurer avec votre voiture. Du coup là je vais vous montrer comment j'ai branché ça. J'ai fait un petit schéma vite fait. Bon, déjà la bande LED c'est fichu comme ça. Moi ce que je prends étanche, vous avez le plus en rouge, le moins en noir. Bon là il y a de la longueur, mais après vous pouvez couper. Donc vous reliez les 4 forcément, plus ou moins. Et ensuite vous avez interrupteur, moi j'ai pris ça. Donc on va le mettre comme c'est en position. Vous avez le plus. Le plus de néon qui va ici, là où il y a la lumière en haut. Ensuite, le moins au moins de la batterie. Le moins de l'interrupteur qui est à gauche, donc c'est la masse. Vous voyez à la masse. Ensuite, le plus de l'interrupteur va sur la batterie. Et voilà ce que ça donne. Ce modèle-là, j'aime bien parce que comme ça, vous avez un voyant lumineux aussi qui montre quand c'est allumé ou éteint. Ensuite, entre la batterie et l'interrupteur, vous mettez un fusible. Moi j'avais mis un 25 ou un 30 parce que bon, les bandes LED c'est pas archi puissant, ça consomme pas de ouf. Après vous n'êtes pas obligé de le brancher à la batterie en direct comme moi, soit vous pouvez le brancher sur un puce après contact. C'est à dire quand vous tournez votre clé pour avoir le contact, les néons vont être alimentés quoi. Moi j'ai préféré laisser sur la batterie en direct, comme ça j'ai pas besoin du contact pour avoir les néons. Et vu que ça consomme pas, en façon en général je laisse allumer 20 minutes, une demi-heure. Ou sinon on peut laisser le moteur tourner. Pour les fixations des bandes LED, ça c'est un peu la misère. Si les bas de caisse sont en plastique, c'est le top. Vous avez juste à... Soit vous faites des pattes de fixation, vous percez le plastique. Ou alors là ils mettent du double face sur ces bandes LED, mais bon, c'est pas la folie. Moi je dégraisse bien la surface en général, je mets colle à pare-brise en plus du double face et ça bouge jamais. Et après sinon vous arrangez entre le pare-choc avant et l'arrière. Il y a souvent des endroits où on peut les fixer, les attacher avec des serflex, un truc comme ça en plus. Comme ça bouge pas. Après, il faut faire en sorte que ça se voit pas aussi quand vous roulez. C'est pas facile non plus parce qu'en fonction de comment vous allez les mettre dessous, quand vous roulez au loin ça va se voir. Moi il y a une petite partie qui se voit parce que sur mes bas de caisse il y a des perçages en bas avec la grille, donc il aurait fallu que je coupe légèrement la bande qu'on la voie pas trop, mais bon après c'est du détail. Même dans les films et tout à l'époque, bon ça se voyait et tout ça, bon, ça faisait un peu le style, mais moi je préfère quand ça se voit pas trop quand même. On va descendre au garage. Avec en voyant la voiture c'est un peu mieux aussi. Donc, je vais aller me glisser dessous et je vais vous montrer ça. Donc moi j'ai mis l'interrupteur ici, après vous le mettez où vous voulez. Hop, donc là j'ai la LED. Donc ça le met.
Donc on va la lever, comme ça on verra mieux. On voit la bande LED. Donc là, j'avais mis quelques points de colle à pare-brise en plus du double face. Ensuite, l'avant. Hop. Je l'avais attaché comme ça, juste derrière la grille. Sinon ça allait se voir. Bon, on va aller voir l'arrière. Hop, j'avais mis des points de colle. Et j'avais attaché aussi. C'est mieux quand c'est par terre. On va éteindre la lumière.